Coffee Break French season 3 lesson 12 Bonjour tout le monde et bienvenue à Coffee Break French Welcome back once again to Coffee Break French It's lesson 12 of season 3 and this week we're with Veronica Now you remember that Veronica is our entrepreneur based currently on the Côte d'Azur Looking for houses for her clients, and she's going to be telling us a little about that today. She'll tell us about her daily routine, and she'll also tell us a little about a forthcoming trip to Menton and to Italy. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! We're going to begin by having a listen to Veronica's text from this week. After which, we'll pick up a few of the language points and help you to understand the text. If you'd like a line by line analysis of this week's text, then you can head over to our website at coffeebreakfrench.com where you can find out how to become a premium member for this series. The membership includes full transcripts of all the texts included in the lessons and comprehensive lesson guides which explain the language, the vocabulary, and the structures used in our texts. There's more information at coffeebreakfrench.com. Okay, let's have a listen now to Veronica's text. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Il commence à faire bien chaud ici. Vous savez, je suis habituée à la chaleur. Il fait chaud en été à Sydney. En janvier, il fait dans les 25, 28 degrés. Mais ici, la semaine dernière, a plu et je ne m'attendais pas à ça pas sur la côte d'azur je n'avais même pas de parapluie donc j'ai dû en acheter un cette semaine en classe nous avons parlé de la routine quotidienne je travaillais avec alpha l'un des étudiants de la classe il est à la retraite et je dois admettre que sa routine quotidienne donne déjà envie d'être à la retraite il se lève, il prend le petit déjeuner sur sa terrasse, il va en ville chercher le journal, il prend un petit café. Moi, par contre, je me lève et je vais directement à l'ordinateur pour regarder mes mails. Je prends un café, vite fait, tout en jetant un œil sur tous mes sites web. Je planifie ma journée et je passe des coups de fil avant d'aller visiter des maisons. Bien sûr! J'ai toujours mon BlackBerry et mon iPhone avec moi au cas où je dois répondre à un mail et je ne suis pas chez moi. Vous voyez, j'ai l'impression que ma routine n'est pas comme celle des autres étudiants de la classe. Mais moi, j'aime bien. Demain, je vais voir une maison à Menton pour mon client. Menton est une petite ville sur la frontière italienne et je ne suis pas encore allée en Italie. J'ai donc décidé d'y aller. En Australie, je vais quelquefois à un restaurant italien pour déjeuner avec des amis. Mais demain, je déjeunerai en Italie. Je ne sais pas si j'irai à Ventimiglia ou à San Remo. Ça dépend de l'heure. On verra bien. J'ai rendez-vous à 10h à la maison. D'après les photos que j'ai vues, la maison est très jolie. Elle est située dans les hauteurs à l'arrière de la ville. Elle a une grande piscine et en plus elle donne sur la mer. Ce qui est cool, c'est qu'on a une vue panoramique et on peut tout voir de Monaco jusqu'en Italie. Voilà, il faut que je file. J'ai appris cette expression cette semaine et j'aime bien. Je vous tiendrai au courant pour la maison et pour ma visite en Italie. À la semaine prochaine! Ok, let's take a closer look at the text now. After her introductions, Veronica starts to talk about the weather. Elle commence à parler du temps. Commencer à faire quelque chose is to start to do something. Listen to what she says. Il commence à faire bien chaud ici. It's starting to get really warm here. Veronica is used to the heat. She lives in Sydney where the summer temperatures are in the 25 to 28 degrees. Je suis habituée à la chaleur. Il fait chaud en été à Sydney. En janvier, il fait dans les 25, huit degrés. However, last week on the Cote d'Azur it rained and Veronica wasn't expecting that. Mais ici, la semaine dernière, il a plu. Et je ne m'attendais pas à ça, pas sur la côte d'Azur. She didn't even have an umbrella, so she had to buy one. She says, J'ai dû en acheter un. The en referring to an umbrella. J'ai dû en acheter un. Je n'avais même pas de parapluie, donc j'ai dû en acheter un. We know from last week that Alf and Veronica were working together in class, talking about daily routine. Veronica seems a little envious of Alf's simple daily routine. As she says, Il se lève, he gets up, il prend le petit déjeuner, he has his breakfast, il va en ville chercher le journal, he goes and buys the newspaper in town, il prend un petit café, and so on. Il se lève, il prend le petit déjeuner sur sa terrasse, il va en ville chercher le journal, il prend un petit café. Veronica, on the other hand, has a very busy daily routine. Let's have a listen to what she says. Moi, par contre, je me lève et je vais directement à l'ordinateur pour regarder mes mails. As soon as she gets up, she says, je vais directement à l'ordinateur. I go directly or straight to the computer to check her mail. Je prends un café, vite fait. Tout en jetant un œil sur tous mes sites web. So she has a coffee. Je prends un café, while she's checking her websites. And then she goes on to say that she plans her day. The word to plan in French is planifier. Je planifie ma journée et je passe des coups de fil avant d'aller visiter des maisons. Passer des coups de fil means to make some calls. Un coup de fil, a call. Or a phone call. And this is all avant d'aller visiter des maisons, before going to visit some houses. As we know, she's looking for houses for her client on the Côte d'Azur. And Veronica's busy lifestyle means that she is never far from her mail. She has her BlackBerry and her iPhone with her. Au cas où, je dois répondre à un mail et je ne suis pas chez moi. So, in case I've got to reply to a mail, And I'm not at home. Bien sûr, j'ai toujours mon BlackBerry et mon iPhone avec moi au cas où je dois répondre à un mail et je ne suis pas chez moi. So even though her routine is a little different from the other students in the class, she's quite happy with it. J'ai l'impression que ma routine n'est pas comme celle des autres étudiants de la classe, mais moi, j'aime bien. veronica goes on to tell us a little about her plans for tomorrow she says she's going to see a house in menton demain je vais voir une maison à menton demain je vais voir une maison à menton pour mon client menton est une petite ville sur la frontière italienne. we already know a little about menton from alf's visit to the concert there. As Veronica explains, Menton est une petite ville sur la frontière italienne. It's a little town on the Italian border. Now, despite living so close to Italy, she hasn't yet visited Italy. Et je ne suis pas encore allée en Italie. J'ai donc décidé d'y aller. Remember that to decide to do something is décider de faire quelque chose. In this case, she's decided to go there, to go to Italy. J'ai donc décidé d'y aller. Je ne sais pas si j'irai à Ventimiglia ou à San Remo. Ça dépend de l'heure. On verra bien. She mentions two places here: Ventimiglia, Ventimiglia, and San Remo, San Remo. She doesn't know whether to go to Ventimiglia or Sanremo and her decision will depend on the time. Ça dépend de l'heure. Her appointment to see the house in Menton is at 10 o'clock. She says, j'ai rendez-vous à 10 heures à la maison. And she then goes on to tell us a little about the house, based on the photos that she's seen. D'après les photos que j'ai vues. From the photos that I have seen. And you might want to think a little about that, the photos that I have seen We've come across preceding direct objects before, so you might want to think about how you would change the word vue d'après les photos que j'ai vues. There's a full explanation of this in our extended version of this podcast. D'après les photos que j'ai vues, la maison est très jolie. Elle est située dans les hauteurs à l'arrière de la ville. So the house sits up behind the town, à l'arrière de la ville, behind, on, in the back of the town. The house has a big swimming pool. Elle a une grande piscine, et en plus, elle donne sur la mer. Elle a une grande piscine, et en plus, elle donne sur la mer. Literally, that means it gives on the sea, meaning, of course, that it looks out over the sea. In fact, the house has a panoramic view from Monaco right through to Italy. Ce qui est cool, c'est qu'on a une vue panoramique et on peut tout voir de Monaco jusqu'en Italie. And with this, Veronica signs off. She says she must dash. Il faut que je file. It's another expression that she's learned this week in class. Voilà. Il faut que je file. J'ai appris cette expression cette semaine. Et j'aime bien. Je vous tiendrai au courant pour la maison et pour ma visite en Italie. And she will keep us posted about her visit to Italy and about the house. Okay, let's listen again to the whole text and hopefully you'll understand more this time. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Il commence à faire bien chaud ici. Vous savez, je suis habitué à la chaleur. Il fait chaud en été à Sydney. En janvier, il fait dans les 25-28 degrés. Mais ici, la semaine dernière, il a plu. Et je ne m'attendais pas à ça. Pas sur la côte d'Azur. Je n'avais même pas de parapluie. Donc, j'ai dû en acheter un. Cette semaine, en classe, nous avons parlé de la routine quotidienne. Je travaillais avec Alpha. L'un des étudiants de la classe. Il est à la retraite et je dois admettre que sa routine quotidienne donne déjà envie d'être à la retraite. Il se lève, il prend le petit déjeuner sur sa terrasse, il va en ville chercher le journal, il prend un petit café. Moi, par contre, je me lève et je vais directement à l'ordinateur pour regarder mes mails. Je prends un café Vite fait, tout en jetant un œil sur tous mes sites web. Je planifie ma journée et je passe des coups de fil avant d'aller visiter des maisons. Bien sûr, j'ai toujours mon Blackberry et mon iPhone avec moi, au cas où je dois répondre à un mail et je ne suis pas chez moi. Vous voyez, j'ai l'impression que ma routine n'est pas comme celle des autres étudiants de la classe. Mais moi, j'aime bien. Demain, je vais voir une maison à Menton pour mon client. Menton est une petite ville sur la frontière italienne et je ne suis pas encore allée en Italie. J'ai donc décidé d'y aller. En Australie, je vais quelquefois à un restaurant italien pour déjeuner avec des amis, mais demain, je déjeunerai en Italie. Je ne sais pas si j'irai à Ventimiglia. Ou à San Remo. Ça dépend de l'heure. On verra bien. J'ai rendez-vous à 10 heures à la maison. D'après les photos que j'ai vues, la maison est très jolie. Elle est située dans les hauteurs à l'arrière de la ville. Elle a une grande piscine et en plus elle donne sur la mer. Ce qui est cool, c'est qu'on a une vue panoramique et on peut tout voir de Monaco jusqu'en Italie. Voilà, il faut que je file. J'ai appris cette expression cette semaine et j'aime bien. Je vous tiendrai au courant pour la maison et pour ma visite en Italie. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. That's all for this week's lesson. Once again, if you'd like to get more out of this week's lesson, you can use our extended version, and that's available as part of the members' materials for this series of Coffee Break French. Find out more at coffeebreakfrench.com. In addition to the extended version of the audio, which runs to around 30 minutes this week, we provide a full lesson guide, which includes the transcript and notes on all the grammar and expressions used. We'll be back again next week with more Coffee Break French. In the meantime, as ever, merci beaucoup et à la prochaine! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.